Ohio les amis, Ohio et bienvenue sur la matinale du Kabuki. Voilà, on est enfin vendredi, la tête dans le gâteau un peu, fin de semaine et puis surtout début des congés pour moi ce soir, enfin. J'espère que certains d'entre vous seront aussi en vacances. Je baisse un peu le son du mic, le son du jeu, voilà. Et le matin on est chill, on n'est pas si chill que ça puisqu'on va s'attaquer à un boss qui a mené la vie dure à pas mal de gens qui ont fait le jeu. J'ai même eu ouï dire que certains ont failli abandonner à ce boss. Donc attention, gros spoil pour ceux qui comptent faire le jeu. Et puis on va essayer de le faire, de se faire au moins une première run contre lui, et puis voir si ça passe ou pas. Salut Gunther, bienvenue. Voilà, donc je vais faire Gunther ce que j'aurais dû faire hier soir, mais que vous m'avez empêché de faire. Toi et tes potes, Data, Lazaretto, Docteur Sigma, etc. Parce que je suis tombé sur le live de Data et j'ai dit, bah vas-y. Je venais d'allumer la console, mais ça avait l'air tellement énorme votre live que bah, j'ai mis en veille et puis j'ai dit on verra plus tard. Et puis ce matin, ça m'a démangé quand même. Voilà, voilà. Alors, bah, on est quand même à 95 heures de jeu. On est le 23 septembre.
Je rappelle qu'on commence au printemps à la base, donc j'ai quand même pas mal poncé. Et j'en suis là, donc du coup. J'en suis envoyé une invitation à Okumula, qui est un gros méchant du jeu. Donc let's play épisode 5, mais je pense que vous avez perdu pas mal d'épisodes entre-temps. Là, on n'en est pas directement à la suite de l'épisode 4, je vous le dis. Alors, on regarde sur le téléphone si on a des messages. Oui. Nous avons trouvé l'emplacement du trésor, blablabla. Tu comptes envoyer la carte de visite aujourd'hui? Je vais réfléchir, parce que j'aimerais quand même essayer de trouver un petit peu de matos. Ne serait-ce que pour remonter un peu la magie. Parce que j'ai plus d'objets de PC en fait. Mais je sais jamais trop où en acheter quoi. Alors on va se balader. On a plein d'endroits où on peut se balader maintenant. Ce sont des vrais lieux, Gunther, de Tokyo. Si tu vas sur par exemple Akihabara et que tu tapes sur Google Maps, tu vas voir c'est les mêmes décors. Enfin, en tout cas, c'est pas tout Akihabara. C'est un petit quartier. Kanda, c'est pareil pour Jinbunsho. C'est pareil pour les parcs d'attractions, les aquariums. C'est une dinguerie ce jeu. Voilà, je voulais le dire. Shibuya aussi. Qu'est-ce que j'avais regardé moi sur internet parce que je connaissais pas. C'était ici. Alors là, on peut pas y aller actuellement. Je crois que c'est le parc d'Aiba. Et en fait, c'est exactement le. Il y a des morceaux mythiques hein, de ce parc avec la grande roue, etc. Un pont, là, on peut le voir. Et ben, c'est pareil. Ouais, c'est super stylé. En plus, tu prends le métro pour y aller. Suivant la ligne que tu prends, bah, tu payes un supplément ou pas. Bah, c'est très très détaillé. Je sais pas où est-ce que je pourrais aller pour acheter des potions PC. C'est pas évident. On va aller voir à Shibuya déjà. Mais j'y crois pas trop. Et on va aller. Ah, peut-être au centre commercial souterrain. Allez. Et comme on disait sur les précédents let's play, il est quand même vraiment propre sur Switch. Alors là, je peux parler à Anne si je veux augmenter notre relation, ce qui va petit à petit faire augmenter une carte de tarot qui va nous donner de plus en plus de pouvoir. Mais c'est pas le sujet ce matin. Alors j'ai le chat qui veut rentrer. Il est un petit peu capricieux ce matin, le chat. Je vais lui ouvrir et j'arrive. Le chat qui fait des blagues, il miaule derrière la porte et quand tu ouvres, il est pas là. Bref, alors, on va quand même pas perdre trop de temps parce qu'apparemment le boss est très costaud. Qu'est-ce qu'il se dit par là? Le proviseur de ton lycée est mort, pas vrai? C'était comment? C'est choquant, mais je suis pas bouleversé non plus. Je lui avais parlé, alors c'est comme quand une star meurt, je lui avais jamais parlé. Je vois, il s'est passé beaucoup de choses dans ton lycée cette année. Ouais, c'est aussi notre lycée. Ah, ça, c'est ma galère de sport, ça va pas m'aider. Ouais, ça aime trop faire les stars, les chats, j'avoue. Bon, là, il est rentré, je vais pouvoir fermer la porte parce que je me l'écaille. Et je pense qu'on va partir à poil sans objet PC, hein, parce que là, sinon, on va passer là. Ah, j'aurais pu regarder comme s'il y avait des trucs. On va passer sinon la matinée à le faire. On va rentrer à la base. Planque, on y aller. Allez, on va partir et puis on verra bien. Je pense que de toute façon, il faudrait déjà faire une première run pour voir de quoi il s'agit. Donc en ce moment, je dis bien en ce moment, on se réunit dans notre chambre avec les voleurs fantômes pour faire nos plans. Et Haru, elle vient d'arriver dans la team, elle est nouvelle. En fait, c'est peut-être un signe, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Alors, de quoi veux-tu parler?
Que se passe-t-il? J'ai beaucoup réfléchi. Je veux être plus utile au voleur fantôme. Alors j'ai conçu une nouvelle tactique qui, je l'espère, pourra nous servir au combat. Ah, j'adore quand ils font ça. Et pour cela, j'ai besoin de ton aide, Mona. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Haru et Mona, on pourra déclencher à un moment donné une attaque spéciale avec une animation complètement cheatée, complètement farfelue. Et pour l'instant, on la connaît pas, cette nouvelle tactique, puisque ça se met en place là. Oh, de mon aide à moi, hein? Eh bien, si tu as besoin de moi, comment pourrais-je te tourner le dos? Merci beaucoup. Bon, j'irai droit au but. Mon idée est de... Sinon, ça va bien, Gunther, ce matin. Et on finit là-dessus. Donc là, bien sûr, on ne nous dit pas de quoi il s'agit, hein, c'est la surprise. Haru, parfois je trouve tes idées vraiment effrayantes. Oh, si ça ne te plaît pas, je comprendrai, tu sais. Ne te méprends pas, je suis partant. Tu mérites les meilleures des performances. Non, ça va pas, je veux pas travailler. Ah, moi c'est pareil, la dernière journée, c'est une journée de dingue. En plus, j'attends peut-être une réponse pour une prise de nouveau poste très très vite. C'est-à-dire limite à la rentrée. Genre là, je pars en vacances, je quitte ce boulot et je rattaque le nouveau boulot à la rentrée, quoi. Peut-être que ça sera non. Peut-être qu'on va me sortir. Peut-être qu'on va me donner la réponse en début de semaine prochaine quand je serai en congé. Du coup, ça va être journée compliquée. J'aimerais bien qu'on me donne la réponse aujourd'hui et qu'elle soit favorable. Fantastique, merci Mona. Je me demande si l'étoile nous l'accordera. Alors bien sûr, quand il monte une tactique comme ça, c'est une sorte de vœu. Il faut qu'une étoile qu'on ait trouvée valide ce vœu, entre guillemets. Apparemment, c'est bon. On a débloqué le spécial Morgana Halo. Tu vas voir, Kabuki, je vais te montrer de quoi je suis capable. On croise les doigts, ouais. Bon, après, j'ai tout donné. Je ne sais pas qui sont mes adversaires, donc on verra. On verra, et si c'est pas là, si ça se fait pas parce que ça reste dans mon service, ben là je commencerai à regarder ce qui se passe ailleurs. Toujours dans ma boîte. Ah ouais, j'avais presque oublié parce que Haru se bat super bien. Mais vu qu'elle est nouvelle dans l'équipe, on devrait pas faire comme avec Yusuke et Makoto. L'entraînement de base des voleurs fantômes, tu veux dire? On a beaucoup à lui apprendre. Ah oui, s'il vous plaît. J'en connais une qui est motivée. Cela dit, je lui ai déjà fait le topo. On pourrait lui expliquer quoi d'autre? Pourquoi pas la façon dont on a vaincu mon fiancé là-bas? Ça aura un effet sur mon père? Non, ils ont fait un truc semblable dans mon palais, mais je vais parfaitement bien. C'est vrai? La manifestation psychique de ce type, c'était du délire. Même Haru l'a pas différencié du vrai. C'est peut-être juste une coïncidence. En général, elles sont complètement différentes. La façon dont j'étais représenté dans le palais de Kamoshida était horrible. Et l'autre version de moi au musée était une peinture. Même pas une vraie personne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une version psychique de moi? Elle est quelque part là-bas? Alors il faut savoir, pour ceux qui rattrapent les wagons, que Haru, donc, c'est en IRL dans le jeu. En IRL dans le jeu. C'est la fille du boss qu'on affronte, qu'on va affronter dans le palais. Et donc, elle a vu une représentation psychique de son fiancé, de son père, mais on n'a pas vu de représentation psychique de Haru. Donc elle se demande pourquoi on l'a pas vu, et est-ce qu'elle y est ou pas.
Pour rappel, on est dans, quand on est dans un palais, on est dans la psyché d'une personne. Là, en l'occurrence, c'est celle de son père. J'aurais bien une hypothèse ou deux qui expliquerait pourquoi on l'a pas vu, mais ça ne te plairait pas. Allez, pense pas à ces trucs sordides. D'ailleurs, si la psyché d'une personne peut modifier le paysage ou même les gens d'un palais, ça veut dire qu'on pourrait s'en servir pour créer un monde rempli d'endroits et de gens qu'on aime. En fait, c'est génial les palais. Je vais peut-être finalement réaliser mes rêves les plus fous. Enfin, c'est pas trop possible pour le moment, mais on devrait peut-être essayer plus tard. Ça a l'air cool. Quoi qu'il en soit, si Alou a bien écouté la discussion, on n'a plus rien à lui apprendre. Et ben on va envoyer une carte de visite. On va envoyer une carte de visite au père de Haru en IRL. Donc pour le prévenir que les voleurs fantômes vont lui voler son cœur. Et le faire se repentir, potentiellement. Du coup, ça va dévoiler la chose à la face du monde. Et ça va changer sa psyché. De façon à ce qu'il nous attende dans son palais. Ça pourrait révéler un de ses points faibles. Et on va pouvoir lui piquer son trésor. Et puis après le faire se repentir, etc. Si on arrive à le bastonner, on va voir. Comme je disais en début de live, beaucoup de gens ont failli abandonner le jeu à ce stade. Est-ce qu'on ne devrait pas sauvegarder avant? Alors là, vu que ça devient difficile, je me rappelle de ce qu'on m'avait dit quand je me suis auto-coincé dans Persona 5 Striker. Il faut toujours sauvegarder à part avant d'envoyer une invitation. Parce que sinon, on pourrait se retrouver bloqué en sauvegardant après l'invitation et ne plus jamais. Et ne pas être assez staffé, etc. Ou avoir de matos pour battre le boss et se retrouver comme un con. C'est ce qui m'est arrivé au premier boss de Striker. Du coup, j'ai failli rage-sell le jeu. Et je vais aussi sauvegarder ici, sauvegarde habituelle. Voilà. Et maintenant, on se casse. Envoyer une invitation. Allez, c'est parti. Ouais, note bien Gunther. Hein. Essayez d'avoir deux sauvegardes, notamment une avant l'invitation. Parce qu'après, tu sauvegardes dans le palais, etc. Parce que tu peux te retrouver vraiment dans une boucle à la con. Où t'es coincé, quoi. T'es arrivé à poil ou bien équipé, mais pas assez. Et après, c'est foutu, quoi. Non, ce n'est pas normal. C'est parce que j'avais ouvert au chat. En plus, je me suis rasé pour vous. J'avais ma gueule dégueulasse depuis lundi. Merci, Gunther. Oui, je dois juste mettre ça dans les dossiers de mon père et ça fera apparaître le trésor. Exact, mais il faut qu'il trouve la carte de visite. Ça te met mal à l'aise parce que c'est ton père ? Pour être honnête, un peu, oui. Alors pour... Oh là là, j'ai failli rater ça. Ouais, ben non, tu vas pas le rater. Pour remettre le contexte, donc attention spoil, comme d'hab, c'est un stream spoil là, de toute façon. Haru, son père, il tient une chaîne de burgers, hein, une chaîne qui marche très fort au Japon, qui s'exporte aussi notamment à Hawaï. On est parti en vacances à Hawaï, vous voyez, avec l'école, en voyage scolaire. On a vu aussi qu'il y avait un Big Burger là-bas. Un Big Bang Burger. En fait, son père, il est prêt à tout sacrifier pour sa réussite. Notamment ses employés, mais aussi sa fille. Sa fille, il l'a fiancée et il comptait la marier au fils d'un puissant. D'ailleurs, ce fils, c'est un vrai connard. Il l'a traité mal, etc. Et d'ailleurs, elle doit emménager. Elle doit emménager chez lui au mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'on doit faire une métanoïa à son père, notamment parce qu'il sacrifie ses employés et sa famille, pour qu'ils se repentissent, et pour éviter aussi à Haru d'aller habiter et vivre chez le soi-disant fiancé. Ouais, tu m'as mis la pression, Gumo, j'avoue. J'ai la pression. Je t'ai cité, sans donner ton nom. J'ai dit que certains joueurs avaient failli abandonner à ce stade du jeu. Et Gunther en était moi.
Utilise ta colère, ça devrait t'aider. Ouais, Gunther, tu disais que les persos étaient vraiment incroyables, mais en plus, pour en arriver là, on a vu l'histoire de chacun. Donc, on s'attache énormément aux personnages. Bah, du coup, je tente une première run, Gumo, ce matin. Alors, on met notre plan d'exécution demain. Ce sont les règles exactes. Bon, un peu d'empathie, ça ira. Il ne faut surtout pas qu'on se loupe, on n'aura pas de deuxième chance. Je compte sur vous. Même avec le chat, Morgana, il y a eu un épisode, un passage quand même assez prenant, assez dans l'émotion et tout ça. Alors, bah, se préparer pour la mission de demain. Ouais. Gumo, je ne veux pas de backseat, donc du coup, je sais que tu n'en feras pas. Mais par contre, si tu as un plan pour acheter des objets PC, pour rendre des PC, parce que je crois que j'en ai plus du tout. J'ai tout épuisé dans la run du palais, en fait. T'as changé, on dirait. T'avais pas cet air renfrogné avant. La vie nous apporte pas toujours ce qu'on veut, alors détends-toi ou tu vas droit à l'échec. Je kiffe Sojiro. En plus, j'ai cru comprendre qu'il bossait pour le gouvernement à une époque, mais... Je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, il s'est rangé dans son petit café, là. Ouais, donc se préparer, là, ça sert à rien. Hein. On peut pas sortir. On va peut-être fabriquer des trucs. Alors ça, je m'en sers jamais. Écran de fumée, brume hypnotique. Brume à vaporiser qui endort les ennemis. Mais ça, c'est quand on se balade. Hein. Les kits, j'en ai fait pas mal. Piège à trésor, je m'en sers pas non plus. Pour le combat, d'accord. Alors, augmente les chances d'être pris pour cible. Réduit grandement les chances d'être pris pour cible. Megiddo bombe. 100 points de dégâts absolus à tous les ennemis. Ah, ça c'est pas mal. Cocktail Molotov. On va s'en fabriquer 4. Ah merde. On peut pas faire plusieurs objets. Oh waouh, tu sais gérer tes matériaux toi. Tu en as encore plus que j'espérais. Et du coup, Gunther, on augmente nos stats de maîtrise en fabriquant des choses. Ah si, on peut encore fabriquer des trucs. Hello, Nico Danger. Attention, gros spoil sur ce stream. On va se faire un boss du 5e palais. Donc si un jour tu comptes faire ce jeu, y a tout ce qu'on voit à l'écran, spoil. Alors, spray gelant, paralysant, canon à air... Et j'espère qu'on aura le temps en 30 minutes de se faire le boss, sinon on dépassera un peu. Comment ça va, Nico? Bombe psy, pourquoi pas. Allez. Tu t'améliores, aucun doute, c'est flagrant. Yes, 2 points de maîtrise. Regardez, j'ai bien monté les stats. Hein. Je suis assez content. Il n'y a que la gentillesse, du coup, qui était au départ bien avancée par rapport aux autres, qui a un peu reculé. Tu en avais fait plus que prévu, est-ce que je vois? Quelle dextérité et chapeau. Allez, un point de plus pour la maîtrise. Et on va se pioter, et demain, ben, on va... Ah oui, c'est parce que j'étais allé dans le menu de la console. Du coup, ça me déconnecte à chaque fois de l'internet. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave pour ce jeu. Ah bah ça va, t'es bon sur les combles. Ouais, mais il faut voir quoi. Tu as reçu l'alerte de Square Enix, Octopath 2 sort prochainement. Ouais. Alors on le savait.
Par contre, j'ai reçu qu'on peut le précommander sur l'eShop. Mais même s'il y a des bonus, etc., moi je le prendrai en cartouche. Mais ouais, c'est mars, je crois, Octopass. Hein. Je suis dans les temps. Bon, bah, on va voir. Allez, on va voir Gumo. C'est parti. Donc, ça, c'est Okumura, le père de Haru. Ouais, fin février, ben c'est dans 2 mois, mon gars. Mon petit Gumo. Ça va aller très vite. Avant, il va y avoir Fire Emblem qui va bien nous occuper. Monsieur Kunikazu Okumura, petit homme mercantile rongé par la cupidité. C'est en tyrannisant vos employés que vous êtes parvenu à vous bâtir une réputation. Donc là, il est en train de lire. Il est en train de lire l'invite. Par conséquent, nous avons décidé de vous faire expier vos crimes. Ouais, c'est ça, il y a plein de jeux, Gumo, donc tu vas pas avoir le temps passé. Déjà fini ton Crisis Core. Après, t'as peut-être un jeu à faire entre temps. Je sais pas si tu vas faire le Fire Emblem, je crois que oui. C'est fin janvier, Fire Emblem, donc il y aura même pas un mois pour faire Octopass. Pour enchaîner sur Octopass, ça va être une dinguerie encore. Hein. Signer les voleurs. Je dois m'occuper de ça avant que ça ne prenne de l'ampleur. Ouais, bah ouais. Mais j'ai le pack collector du 1, il est magnifique. Magnifique. Je sais pas ce que ça va donner sur le 2. J'ai reçu une carte de visite des voleurs fantômes. Je vous demande de l'envoyer à la police. Ne me faites pas répéter, apportez à la police, c'est un ordre. Ces vauriens osent me menacer? La police n'est-elle pas censée protéger les honnêtes citoyens? Donc ça, c'est sa version palais. Hein. C'est, ça, c'est la représentation graphique de sa nature. De sa vraie nature. Je n'échouerai pas. Donc là, on est en alerte maximale dans le palais. C'est un problème urgent, réglez ça dans les plus brefs délais. Il faut que je prévienne les autres. Donc c'est bon, il a vu l'invite, ça va révéler son trésor. Ah, on a réussi à s'asseoir, et si tu lisais jusqu'à ce qu'on arrive? Cool, on va pouvoir encore augmenter une capa. Alors le maître épéiste, la science du baseball, ça c'est des bouquins que j'ai achetés, Gunther. En jaune, c'est ce que j'ai déjà lu. Les secrets de jeu, Shimatashi Reborn. Livre sur la renaissance du vieux quartier. Ouais, guide de pêche. Rencontre spectrale, c'est pas mal ça. Allez. À ce moment, nous avons clairement vu un fantôme. Hein, pourquoi tu lis ça? Je t'en prie, ne lis pas à voix haute, d'accord? On lui fait honte. Je n'avais pas vu que tu lisais depuis si longtemps. Tu en es où? On dirait qu'il te reste des pages. Tu devrais continuer une autre fois. Oh, on est presque arrivé. Je trouve que tu as bien utilisé ton temps. N'est-ce pas, Gumo? Chaque moment où on peut utiliser son temps est important et crucial dans ce jeu. Ça peut apporter un peu de stress. Madame Usami, en automne, il faut bien manger. En automne, on se penche sur l'art. En automne, cap sur la lecture. Les magasins sont prêts à tout inventer pour attirer la clientèle, surtout en cette saison. Ah oui, on dit aussi que l'automne est la saison du sport. Il y a peu, le baseball était le sport national, mais c'est plutôt le football aujourd'hui. Comme vous le savez, les ballons de foot sont noirs et blancs. Maintenant, Sho, peux-tu regarder un peu cette image ? Alors Sho, c'est nous, hein, parce qu'on s'appelle Kabuki Sho. Ça va, on a Gunther, fan de l'OM, il va pouvoir nous aider. Combien de formes blanches et de formes noires comporte un ballon de football ? Alors là, on en voit combien ? 2, 4, 6, 8, 10. 10 pour 5. Alors attendez. En général, il y en a 5 et 1. Alors, 30 surfaces blanches, 5 noires. De toute façon, il y a toujours 5 fois moins, je dirais. Mais pas forcément, parce que c'est partagé. Je réfléchis à haute voix. Hein. 20 et 12, moi, je dirais. Ouais, de toute façon, il y en a plus de 5.
des noirs. C'est exact. Ah, cool. On va gagner des points de compétence là aussi. Ce ballon se compose de 12 pentagones noirs et 20 hexagones blancs. Il y a 32 surfaces. 32 faces en tout. Il semblerait que les ballons de football étaient autrefois de couleurs unies. Le noir et le blanc ont été utilisés afin qu'on distingue mieux le ballon à la télévision, à ce qu'on dit. La télévision couleur n'existait pas encore, quand les premiers matchs ont été diffusés. Le contraste entre le noir et le blanc est assez esthétique, tu ne trouves pas? Wouah, sérieusement? Shaw a l'air intelligent, non? Wouah, faut être vraiment doué pour savoir répondre à une question pareille. Allez, on gagne en connaissance. Récemment, un motif a attiré mon attention, le Moon Burger. L'œuf représente la lune. Je suis conscient des rumeurs au sujet d'Okumura Foods, mais la faim se fiche de l'éthique. Tu crois vraiment que quelqu'un comme elle mange des hamburgers? Attends, il sait aussi quand on compte intervenir? C'est très inhabituel. Il a du cran d'apporter lui-même la carte de visite à la police. Soit il est sûr qu'on n'arrivera pas à nos fins, soit la police est de mèche depuis le début. Vous allez trouver ça bizarre, mais je pense que c'est possible. Ouah, ça chauffe aussi sur le net, regardez les commentaires. Je vais suivre le live en mode lurk, même si je n'interviens que rarement. Merci Nico, il n'y a pas de souci, et merci, merci, merci. Occupez-vous de lui, les voleurs fantômes. Donc ça, c'est les commentaires internet. Peu importe ce qui arrive, tant que les voleurs se montrent. Ah, faites ça vite, et bien, lol. Les gens n'ont plus aucune retenue. Tout ce qui leur importe, c'est de voir les puissants de ce monde implorer pardon. C'est pas un jeu, bon sang. La fin justifie les moyens. Pour eux, c'est un divertissement comme un autre. Mais on doit quand même le faire. On peut pas renoncer comme ça. Il suffit de regarder son palais pour constater que ses désirs sont malsains. Plus on agira rapidement, mieux ce sera. Et puis, il ne faudrait pas oublier le problème avec le fiancé de Haru. On n'a pas vraiment le choix. Bah, Golastico, on y va, nous, hein? Si on recule, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'aura servi à rien. Je suis aussi de cet avis. J'ai entendu parler mon père. Et je n'ai décelé aucun remords. Et Yuji et Haru ont raison. Pour être vraiment honnête, tous ces commentaires me dérangent un peu. Mais Okumura est peut-être derrière les ruptures psychiques. On doit s'occuper de lui. On n'a pas le choix. J'ai la sensation qu'il cache quelque chose de vraiment énorme. C'est vrai, et puis on a déjà envoyé la carte de visite. On va faire comme d'habitude, infiltrer son palais et voler le trésor. Ah là là, il va être 8h30, on va être au début du fight. Mais non, il est 8h05, Gemo. Là, on va se téléporter. Alors, au niveau de la team... j'ai remarqué que Haru servait bien hein, niveau psy, mais Haru on l'a déjà dans la team. On a Makoto et je prends Morgana. Et puis voilà, et puis on verra bien hein. Alors je sauvegarde sur la sauvegarde habituelle, j'ai sauvegardé avant l'invitation.
Ouais, je sais qu'ils aiment parler, mais bon. Bon, on verra bien, on va dépasser de toute façon. J'ai rien à 9h pour l'instant. Alors, téléportation, on va aller à la fin. Hein. Fabrique d'armes, la fin? Je sais même pas. Pourquoi j'ai du rouge là-haut? J'ai pas tout visité. Entrée secondaire. Je pense que c'est le dernier. Hein. Ah, cette musique. Il faut peut-être aller là-haut, ouais, effectivement. Et c'est quoi ce truc? Oh, c'est un ovni. Et comment va le plus beau? Salut Augustin. Attention, gros spoil là. Hein. Gros spoil sur ce live. Si tu comptes faire le jeu un jour. Je sais pas si tu l'as fait du coup. Peut-être que tu l'as déjà fait. En tout cas, on est sur un boss compliqué, paraît-il. Et donc, bah, je voulais le faire avec vous. Et là, on y arrive. Ce ne serait pas le frisbee dont parlait School la dernière fois? C'est ça qu'il fabrique ici? Le SS Utopia va bientôt entamer sa séquence de lancement sur le quai de construction. La séquence de lancement débutera une fois le noyau central récupéré. Non, mais je me suis bien spoilé une partie à une époque. Bah, tu vas continuer peut-être alors. Le SS Utopia. C'était donc ça, projet fuite vers Utopia. Mon père a dit qu'il allait prendre de l'importance en politique. Donc même cette compagnie n'est qu'un pion qu'il est prêt à sacrifier pour son utopie. Attendez, s'il quitte cet endroit, on ne pourra plus l'interroger au sujet des ruptures. Bien vu, il faut qu'on se dépêche, on devrait pouvoir avancer à présent. Regardez, ça y est, le trésor est là. Tu sais, je me suis spoilé tout Breath of the Wild, ça m'a pas empêché de l'acheter. Bah si tu prends les choses bien comme ça, Augustin, tu peux rester, alors il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Séquence de lancement d'urgence sur le point d'être activée. Certaines zones vont être verrouillées ou détruites. Je répète, séquence de lancement d'urgence est sur le point d'être activée. Nous invitons tout le personnel à rejoindre immédiatement les zones sécurisées du complexe. Mais qu'est-ce que... Oui, t'as ton permis de UV. James Augustin Bond 001. Auguste T001. Je n'ai pas de temps à perdre avec de misérables insectes. Je dois préparer ma sortie. Je vous laisse à votre désespoir. Vous ne quitterez pas cette base vivante. Votre fin est imminente. Pas de temps à perdre, on doit sortir maintenant. Ouais. Par ici. Ah mais on est timé, ah bah oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, on trace. Qu'est-ce qu'on a là? Non mais sérieusement? Il vaut mieux éviter les combats inutiles, on va se replier et réfléchir à une autre approche. Veuillez mettre à jour mon logiciel. Ça t'arrive de réfléchir? Si on s'épuise maintenant, on pourra pas mettre notre plan à exécution. Allez, calmez-vous un peu. Joker? On fait comme tu veux, Joker. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Bah, je sais pas, en fait. On se replie. Tu es. Je ne crois pas avoir vu de chemin pour y arriver. Plus rien ne nous barre la route. Il faut juste trouver un chemin pour y aller. Hé, Joker! Tu vois aucun endroit où tu pourrais utiliser ton grappin? Si... Ah bah si, bah carrément la soucoupe. Non? Bon déjà on prend le trésor.
On se fait plaise. Éclair de Magatama, c'est ça? Ah, voilà. Rapin. C'était pas dans la version originale, mais je crois qu'ils l'ont facilité, hein, la version royale. Du coup, Augustin, tu te rappelles de cette phase? Hey, une seconde! Vous n'irez nulle part. Là! Eh bien, on dirait qu'on va pouvoir régler nos comptes, monsieur le PDG. Ah, tu voulais dire le palais, il n'était pas dans la version originale. Ah ouais, carrément. Je vous demande pardon. Ça y est, j'ai changé, je peux vous le prouver. Papa. Haru, tu as toujours été gentil. Depuis le début, tu m'obéis sans sourciller. Je suis si fier de la personne que tu es devenue. Ah, d'accord, Augustin. Intéressant. Eh ben, ça rajoute une belle partie au jeu, Haru. Qu'est-ce qui lui prend? Oui, est-ce que tu te souviens, Haru? Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps quand j'ai raté ta première compétition de sport. Après ça, tu ne voulais plus me parler. Je me suis vraiment fait du souci. Et puis tu as eu la force de t'opposer à moi et tu es devenue une jeune fille indépendante. Rien ne pourrait rendre un père plus heureux. Ça fait tellement longtemps, tu t'en souviens encore? À cette époque, tu me préparais de bons petits plats, tu aimais rendre les autres heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardonne-moi, Haru. Mais je ne m'en relèverai jamais si vous voulez mon trésor, je vous en supplie. Ça sent la grosse feinte à plein nez. Papa. On doit le faire. Ah, Haru. Espèce de petite sotte. Quoi? Tout faire pour éviter l'échec, même s'il faut trahir les autres, c'est notre devise. Pour prospérer, il faut savoir lâcher du lest. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Comment peut-on être heureux de défendre la justice si on perd à la fin? Quel plaisir peut-on éprouver à profiter du malheur des autres? C'est bien mieux que l'échec. Je préfère marcher sur les autres plutôt que sombrer dans l'oubli. Quoi qu'il en soit, je ferai bientôt mon entrée en politique. Je vais rejoindre l'élite. L'accomplissement d'une vie. L'histoire retiendra mon nom. Tu dois choisir, Allo. Abandonne-les et tu pourras venir avec moi. Reste avec eux et tu sombreras en même temps que cette base. Qu'est-ce que tu décides? Idiote. Noir. Et toi, là? Tu ne veux pas t'en sortir vivant? Viens avec moi. Tu combattais tes petits copains, n'est-ce pas? Vous nous avez espionnés? Ça t'apportera rien. Alors attendez. Ça t'apportera rien de rester avec eux. C'est bien ce que tu penses. Et tu as parfaitement raison. Laisse-les tomber, trahis-les pour enfin devenir quelqu'un. Je te donnerai même cette télécommande après notre départ. Alors, qu'en dis-tu? Tu as 10 secondes pour réfléchir. Tu sais ce qu'on dit, le temps c'est de l'argent. 8h15 les amis. Namerareta mon dama. Sontoku ga subete. Kanashii na, sachō-san yo. Haru to 17 nen mo tomo ni kurashite, mada kizukenai no ka? Kono yo ni wa
金や名誉に変えられないもんが山ほどある。一人だけ助かって何の意味があんだ。こいつらの代わりなんてどこにもいない。お前の提案は花から取引になっていねえのか。イエス。当たった。我が輩すげえ、すげえもの助け。全部持ってきやがって。L'amour de sa fille ne s'achète pas, on est d'accord, Augustin. Allez, c'est parti, on est chaud. On est prêt. Il est temps de vous rendre, père. Abandonné. On en reparlera si vous parvenez à vaincre mes soldats d'élite. Oh, il y a un timer. Oh, bordel. Alors, eux, comment je les avais éclatés, putain. En avant, fidèle employé. Soyez l'instrument de ma victoire. Allons, allons, chers collaborateurs. Frapper sans viser ne sert à rien. Ciblez-les l'un après l'autre. Tenez, commencez par celui-ci. Cette étrange chose en noir et blanc. Alors. Ils sont faibles au galou là. Très bien. Faut que je me grouille là parce que 30 minutes. Ils ont presque tous éclaté. Ok. Ah, il en reste un. Soutien moral, cool. Bonus d'attaque. Allez, on l'éclate. Non, mais vous ne servez vraiment à rien. Et votre loyauté à l'égard de l'entreprise, alors. Bon, Haru, explique à nos employés comment faire preuve d'un esprit d'entreprise. Ah, ben voilà, voilà. Elle voulait se voir. Donc, il voit sa fille comme un robot, en fait. Un androïde. Qui obéit à ses ordres. Bien sûr, père. Hein, c'est moi? Mon Haru exécute fidèlement mes ordres. Rien à voir avec la sotte que vous vous traînez. Je vois, c'est la version idéale de moi selon la psyché de mon père. Faut pas que ça nous perturbe, les amis. Rappelez-vous, une fois Okumura éliminé, ce sera fini. Allez, on s'y met. Vous n'y arriverez pas. Vous n'auriez pas dû sous-estimer la force de ma société. Employés, en position. Ah, les jaunes. Les jaunes. La solution à tout problème, doubler la main-d'œuvre. C'est un ouf, hein. C'est ça la force de ma société. Le bonheur qu'on s'offre par les sacrifices d'autrui est factice. Ils sont faibles à Psio, bah tant mieux. Genre ça fait 50 minutes là. Eh ben ouais Gunther, pourquoi t'es à fond dans l'histoire. C'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. Hein.
Je n'arrive pas à lire la bonne info au bon moment. Le graphisme pendant les combats est vraiment très chargé. Ouais, je sais pas, moi je suis habitué, Nico, je pense qu'il faut prendre du début et puis ça progresse. On s'habitue. Et Octopass sort en mars, ok. Ah, tu t'es endormi, ah ouais. Satané voleur, responsable, vous venez vous occuper de ça? Venez vous occuper de ça, pardon. Wouah. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'a pas vraiment été touché à part lui. Chance élevée de rendre un ennemi confus. Allez. Je regarde ce qu'on a chez Kabuki. Parfait, parfait. Alors ça c'est le coup de bol monumental. J'ai trouvé leur point faible. Du coup c'est elle qui fait... Ouais, c'est elle qui a nucléaire. Royal. Alors... Les ennemis, on va se les faire petit à petit. Vu qu'on gagne un tour à chaque fois. Ah non, on l'a... Ah merde. Comment on va faire? Barrière qui renvoie les dégâts physiques une fois. Réplaction, allez. Et qui sont tous sonnés. Ouais, ça passe bien, ça passe bien. Allez, je leur fais un maxi. Ouais, ouais, tout à fait, Nico. Bon sang, chef de service, débarrassez-moi de ce morveux! Mais il m'envoie toute la sauce là. Pas question de laisser des voleurs de bas étage anéantir ma société, ni m'anéantir moi. Il n'y a aucune faille dans la logique de mon père. Mon père. Exactement, Haru. Il faut frapper l'ennemi dès que le moment est propice. Ah merde, malus défense. Aïe 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 aïe. Et ils se mettent des bonus de défense. Ah, ils sont faibles au vent. Allez. Allez, on y croit, on y croit. Il reste 22 minutes. Allez, vas-y, on leur met la sauce là. On n'a pas un objet devant. Cyclone. Ah ouais. Ah mais c'est que pour un. Ça c'est des fioles. Ah, ça sert toujours ça de prix, je pense. Ah, j'avais pas vu qu'on était sur Kabuki, sinon j'aurais pris une autre persona. Je sais pas. Est-ce que je tente ça? Allez. Ah, il résiste. Annule les stats de malus. Ouais, parce qu'on nous avait mis un malus défense. Ça commence à se corser. Ah, ils vont tous taper là, punaise. En plus, ils me fracassent celui qui a le vent. Allez, résiste, résiste, Morgana. Pouah, 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 on est bon. Ah non. Ah, ils vont me l'éclater, ils vont me l'éclater. Punaise. En voilà un d'éliminé. Passez à celui-ci maintenant. Ah là 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 là.
Qu'est-ce qu'ils font là? Attaque rétablie. Bon, alors il va falloir jouer serré là. Il a rien lui. Si on a, on a cette persona là. Allez. On continue la même technique qui a bien marché jusqu'à maintenant. On a encore pas mal de PC, donc ça va, ça gaspille pas trop de PC. La musique arrive au bon moment. Ah putain, ça les éclate pas. Hein. Et que je fasse peut-être un triple action. Ah putain, ça les fume pas. Allez go, bombe aveuglante. Mais non. Ah, y en a un qui a fui sous la pression. Ça explose, ok. Et où allez-vous comme ça? Je peux bien perdre quelques employés, j'en ai plein d'autres en réserve. Vous avez sous-estimé mon personnel, grosse erreur. Oh, il nous renvoie une vague des mêmes. Non, mais il en a combien? Tu y arriveras pas en les éliminant un à la fois. Éliminez-les tous d'un coup pour pouvoir frapper Okumura. Pas question de laisser des voleurs de bas étage anéantir ma société, ni m'anéantir moi. Mon père a toujours raison. Exactement, Halo. Il faut frapper l'ennemi dès que le moment est propice. Du coup, on reboucle là. Bah, il nous a raté. Par contre, on va perdre un tour si on réveille Morgana. Ah ah. Il me faut un objet. J'en avais qu'un de... Non, j'ai canon à air aussi. Ouais non, ça se passe mal les amis là. En voilà un d'éliminer. Passez à celui-ci maintenant. La barbare aux cheveux noirs. Il nous reste que 17 minutes. Je sais pas combien on a encore d'ennemis face à nous. Ah ouais, là on est tout seul. Passez à celui-ci maintenant, le prétentieux en manteau noir. Ah ouais, la moitié des PV. Bon. Alors. Je commence à comprendre ce que me disait Gumo. Pierre de vie. Non, on a un truc pour ressusciter normalement. Perle de renaissance, j'en ai que deux. Ah, et j'ai aussi revitalisateur. Dernier impalier avec tous ces PV, baume de vie, j'en ai pas mal. J'utilise pas en général. Allez, on va la jouer comme ça. Ah, j'aurais dû prendre Morgana. C'est pas grave, allez. On va faire... Merde. Je réveille pas les bons. Bon, il fuit, on va avoir une nouvelle vague. Et on est tous quasiment à fond, sauf Joker. Qui est la cible d'ailleurs. Et qui tombe. Ah, en plus ils explosent en partant, c'est moche. Et comme Joker tombe, ben on tombe. Voilà. Game over. Eh bien, deux options. Soit je me ferai une autre run en solo, soit si ça vous a plu, vous me le dites sur le Discord et on se refera une tentative ensemble. C'est normal, Kabou. Oui, mais je me...
J'ai bien tenu quand même. J'ai bien tenu. La partie est donc terminée. Ça t'a plu, Augustin? Voilà une fin bien dérisoire. Vu que là, ce soir, les congés commencent. Recommencer le combat, retourner au dernier abri. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ouais, on va retourner au dernier abri. Non, allez, on avait sauvegardé. On va retourner à l'écran titre parce que ce midi, je vais changer de jeu. À moins qu'on se le retente ce midi, je sais pas trop. J'en ai eu des frissons de terreur, nous dit Gomo. On pourrait se le retenter à midi. Ouais, j'ai bien envie. J'ai bien envie. Du coup, recommencer le combat. Je vais laisser ma console en veille comme ça. Parce que de toute façon, je vais pas y toucher. Je vais bosser ce matin. Et puis ce midi, on se relance. Sans jamais rien lâcher. Mais non, mais j'étais à fond là, les amis. J'étais à fond, Gunther. Alors, comme d'hab, on prépare le syndrome Kabuki qui met de bonne humeur le matin. Et on regarde qui est-ce qui est en train de streamer, de s'amuser. Qui stream à côté de nous? Il n'y a que l'Inca. Eh ben, on va chez l'Inca. Dans ma host list, en tout cas. Quand je dis il n'y a que l'Inca, c'est dans ma host list. Donc, on part chez l'Inca. Lui donner de la force. Et le raid est créé. Ben merci à tous d'avoir été là, de m'avoir supporté dans le sens supporter, de vous être réveillé avec moi. Pensez à moi, journée de taf, dernière journée de taf, la plus hard en général avant les congés. Donc dernière journée de taf de l'année pour moi. Voilà, voilà, voilà. Et puis ben, j'ai quand même le petit smile hein, parce que c'est les congés ce soir. Des bisous, des checks, syndrome Kabuki, puis on va chez l'Inca. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noreo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki, au Japon. Kabuki, au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon.